pour la vérification des conditions de la santé des motions des oiseaux emportés au Yémen par les tests nécessaires, la certification des maladies et de bonne santé des animaux emportés. On a également vu que les rapports sur les votes d'Imbéry de quelques livres de Coran. La lutte commission pour la commercialisation du pétrole approuve aujourd'hui les ventes des produits missiles pour les périodes du mois de mars 2012. Il s'agit de quantités de 3 millions et 100 000 barils de valeur basées sur le Brent daté lors de la réunion précédée par Premier ministre Mohamed Salih Bassin Doua, le Premier ministre, il a également discuté de la vente des produits du Maghreb pour évaluer l'heure de la libération de lignes pétrolières. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Aboubakr Al-Qarbi, contre aujourd'hui l'ambassadeur du Japon à Sanaa, Mitsuo Nori Namiya. L'ambassadeur a exprimé la satisfaction pour l'amélioration de la situation politique au Yémen. Il a aussi indiqué que le gouvernement japonais a décidé d'offrir de l'aide financière au Yémen pour soutenir la tenue des élections présidentielles anticipées au Yémen le 21 février 2012. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le docteur Saadeddine Ben Talib, accompagné du gouverneur de l'Hajj, Ahmed Abdallah Al-Majidi, ont inspecté aujourd'hui le déroulement des travaux de la zone industrielle de production à l'entreprise nationale de verre de la zone industrielle de Arajah. On a discuté le rôle de l'usine de verre pour fournir les besoins de l'infrastructure de la zone. Enfin, lancement de l'aéroport international de Aden, de nouvelles lignes aériennes de l'Yéménie, de Aden à Amman. Le responsable des affaires d'investissement à Aden, Ahmed Abdoulaye, a souligné lors de l'inauguration que l'objectif de nouvelles lignes est de faciliter le mouvement de touristes, de traitement médical et d'investissement entre la ville de Aden et la capitale jordanienne, Amman. Mesdames et messieurs, c'est le journal. Merci de votre fidélité. À demain.